150 000 fois, merci. Génie Solo vous dit 150 000 fois, merci. Famille, demandons à Gâteau International de laisser Wasde tranquille. Il a se fait former, ou à défaut, il écoute ou bien il regarde ce qu'on appelle un manager. Quand on parle d'un manager, on parle de quelqu'un comme Robinson Pifo. Prendre un artiste dans le noir où personne ne le connaissait. Le mettre sur les projecteurs, sur les yeux du monde entier. Et également, le projet que Robinson Pifo a pour Génie Solo. C'est incroyable. Les amis, écoutons le projet de Robinson Pifo avec Génie Solo. Gâteau, écoute attentivement. 150 000 fois, merci. Génie Solo vous dit 150 000 fois, merci. Alors, mesdames, messieurs, c'est le fruit de vos efforts. Parce que c'est l'artiste que le peuple a décidé de porter. Il était question pour moi aujourd'hui, une semaine après, de venir vous dire merci. Merci pour cet amour, merci pour cette démonstration de solidarité, merci pour cet élan de cœur. Moi également, je vous dis merci parce que vous m'avez aidé à réaliser un rêve d'enfance. Dans mes communications antérieures, je lui ai dit que c'était un rêve pour moi de pouvoir réaliser le rêve de Génie Solo. Celui de devenir un grand artiste dans le pays, celui de devenir une icône de la musique camerounaise. Et je pense, les choses de Dieu, on le dit souvent, mesdames, messieurs, sont magnifiques. En deux jours au Cameroun, Génie Solo a été célèbre. En une semaine, sorti de nulle part, il a fait 150 000 vues sur YouTube, plus de 10 000 abonnés sur Facebook. Sa musique aujourd'hui a été reprise par plus de 3 000 personnes. Je dirais merci à tous ceux qui ont soutenu de manière naturelle le projet de Génie Solo. Je parlerai des grands journalistes du monde entier, en l'occurrence J.P. René Renon, des animateurs Francis Libéral, le président Chop Chop, tous les animateurs de Canal 2, des médias, je vous dis merci. Je n'ai donné 5 francs à personne. Je ne sais même pas si j'ai contacté quelqu'un. Non, beaucoup l'ont fait de manière naturelle. J'aimerais remercier également par cette occasion, mesdames, messieurs, les influenceurs qui ont fait le job aussi de manière naturelle. Je ne sais pas si j'ai contacté Lidl. Non, Stanley, non, je ne sais pas la dernière fois qu'on a causé. Tic Deng, Michel, Bob Dylan, ils sont tellement nombreux. Tous ces petits frères qui ont dit non, le grand frère Pifo a fait quelque chose. Il est temps pour nous qu'on soutienne. Il faut qu'on soutienne aussi le truc. Merci à tous ces influenceurs qui ont fait le beau job. Je ne saurais citer tout le monde. Dianama, Aubryan, Mamouche quand même. Mamouchka, tu vois le résultat, non? Tu vois le résultat, hein? Merci à Céleste Victorien, Tapé Sec, tous ces enfants de TikTok, DJ Marina, DJ Stivo, DJ Choco, merci à tous ces DJ qui ont commencé à pousser la chanson. Ils l'ont fait de manière naturelle. Je n'ai donné 5 francs à personne. Merci à tous les danseurs du Cameroun. Gadoubou, la star, mon bon petit, la star à Tangana, le Joker, merci à tous ces danseurs. À Amy Love, je peux citer tout le monde. Mais sachez que Dieu vous rendra, c'est là où sentu. Parce que vous faites du bien. Vous êtes en train de porter le projet d'un malvoyant, de quelqu'un qui n'a jamais connu, comment je vais dire ça, le bonheur. Je vais le dire, c'est parce que je le connais depuis que je suis né. Même si ça blesse les gens quand ils écoutent, quand ils m'écoutent ça, il faut toucher la plaie, il faut battre le fer quand ça chauffe. On n'a pas honte de mettre de l'alcool sur la plaie, ça fait mal, mais ça soigne. Il n'a jamais connu le bonheur. Alors je dis merci à tout ce beau monde. Merci au public magnifique, de par le monde entier, la diaspora, de tous les coins et recoins du monde. Ils sont en train de faire le challenge. Franchement, je ne m'attendais pas à ce résultat. Je ne m'attendais pas à ce résultat. Et j'ai compris que vous le faites, mesdames et messieurs, de manière naturelle, parce que la chanson était bonne. Et je profite aussi de cette occasion pour rappeler que jusqu'ici, le booking de Génie Solo est officiellement lancé, est officiellement ouvert. Au jour d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, le projet derrière cette réalisation était de faire quelque chose d'inoubliable pour ce papa qui n'a connu que misère, que tristesse. Je sais qu'il est fier, même s'il ne voit pas. On lui dit, on lui rend compte de tout ce que vous faites pour lui. J'ai reçu de nombreux appels, de nombreux messages, des gens qui veulent aider Génie Solo. Mais je dis que de lui donner 200 000 francs, on va envoyer 200 000 francs, je vais prendre lui donner 100 000 francs, je vais prendre lui donner tout. J'ai dit non. On va lui faire un projet qui va lui permettre de se réaliser ou alors d'être à l'abri du besoin tout le restant de sa vie. Jusqu'au dernier jour. J'ai pensé que, avec tout ce qui est en train de se passer, les personnes qui veulent soutenir, il était préférable de marquer, de faire des choses avec, de faire des choses en grandeur, nature, de faire des choses en grand. Alors officiellement, par cette vidéo, je venais tout d'abord vous dire merci et d'annoncer officiellement que le projet, une maison et un espace commercial pour Génie Solo est lancé. Oui. Mesdames, messieurs, ça ne sert à rien de donner le poisson à un homme pour le jour, il faut l'apprendre à pêcher. Une maison, pourquoi? Parce que je sais qu'il vit très loin, derrière Baranté. On vous parle de Nyamga, c'est à Bangoulap là-bas. Il est question de le ramener au centre-ville, de lui construire une maison, de lui créer un espace commercial autour de cette maison qui peut se transformer comme un dimanche tarot qu'on voit à Yaoundé. À Douala, désormais, les gens iront à Baranté et iront chez Génie Solo le dimanche manger le condré, manger le tac, manger le toutes les poulets culturels du dé. Et je pense qu'ensemble, on peut le faire.
Et on va marquer Jenny Solo à vie. Parce que officiellement et éternellement, mesdames et messieurs, il sera à l'abri du besoin. Et on va le faire. On va le faire avec un compte rendu, je crois, chaque deux jours ou quotidiennement ou hebdomadairement. Cela dépendra. Cela va aller avec la tendance des motivations. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté, qui voulaient soutenir. J'ai dit non, attendez. Alors, je vous annonce ce qui sera fait. Un compte bancaire sera créé au nom de Jenny Solo. Toutes vos transactions financières seront annoncées. Ça veut dire une fois que vous avez fait une contribution pour le projet de Jenny Solo, on va vous enregistrer et le lendemain, on communiquera sur les contributions. Ceux qui voudront bien sûr l'anonymat, cela se fera comme vous voulez. Alors, j'ai pris aussi l'occasion pour annoncer à sa famille de faire très attention. Parce que j'ai reçu déjà des messages qui ne me plaisaient pas. Jusqu'ici, ça fait 25 ans de carrière que vous êtes avec lui. Bon, j'ai décidé avec mes propres moyens. Je n'ai demandé 5-30 personnes de le faire. Alors, laissez-moi réaliser ce que j'ai voulu faire pour ses papas. Tout son argent sera transféré dans un compte bancaire en son nom, lui, Jenny Solo. Et toutes les transactions financières seront communiquées au public parce que c'est le public qui a décidé de le mettre en haut. Le public sera au courant de tout ce qui va concerner ces transactions financières. Le but sera de récolter le fonds et de lui construire une maison. Ça veut dire, après deux jours, on va venir communiquer. Nous sommes à 100 000 francs, 200 000. Voilà la liste des gens qui ont contribué. On va citer les noms. On va annoncer. Ceux qui voudront être cités seront cités. Ceux qui ne voudront pas resteront dans l'anonymat. Et par la suite, toutes les transactions qui seront faites dans son compte seront communiquer officiellement. Ça veut dire si on a retiré 100 000 francs, on viendra vous dire voici l'état des comptes. C'est vous qui avez décidé de porter Jenny Solo. Dieu est passé par moi, mais vous l'avez récupéré. Merci également à tous ceux-là qui l'ont booké pour des mariages. Déjà, je vais annoncer parce qu'on a décidé de faire les choses avec le public. C'est l'artiste du public. Toutes ces rentrées seront communiquées. Ces rentrées financières seront communiquées. Mais protégées dans un compte bancaire en son nom. Alors jusqu'ici, je crois on a déjà 3 ou 4 spectacles. Il sera en concert à Barenté. Le 14 décembre, c'est payé 200 000 francs par le Majestic Nightclub. Il sera en concert pour un mariage à Yaoundé, je crois, le 28 décembre. C'est payé 200 000 francs également. Il sera également en concert à Douala, je pense, le 1er décembre. Ça a été payé à 100 000 francs. Ça veut dire que nous sommes déjà à 500 000 francs de cachet pour Jenny Solo. 500 000 francs récoltés en une semaine. Ça veut dire que dans son compte, qui va être créé, je pense, ces jours, on va déjà faire, je pense, le premier dépôt qui sera d'une valeur de près de 500 000 francs. Parce que à côté, on va sortir ce qu'on appelle un fonds de roulement pour ses besoins personnels et pour ses déplacements. Voilà ce qui est prévu pour Jenny Solo. Donc, je pense qu'avec vos critiques, vos appréciations, on va s'améliorer, on va réaliser le rêve de ses papas. Et c'était ça le but. Je profite de l'occasion également pour dire merci à tous ceux-là qui ont cru le projet depuis le départ. Vous avez vu, si vous vous rappelez, j'ai été bien persécuté par le départ. Beaucoup n'ont pas cru le projet. Mais laissez-moi vous dire, l'école est bien. Parce que quand une tête pensante se met derrière un projet avec toutes les stratégies, vous avez vu, on n'a pas eu besoin de tous les grands noms pour réaliser le clip, des grands financements, tout. Merci également aux artistes qui ont posté. Manipela, Coco Agenté, Lady Ponce. Merci à tous ces artistes-là, tellement vous étiez nombreux. Franchement, j'étais tellement ému, tellement touché par ce qui s'est passé. Je vous dis encore merci. Alors jusqu'ici, je vous rappelle, mesdames, messieurs, que tout sera fait avec transparence. Tout sera fait avec transparence. On va lui construire sa maison. Il n'a jamais dormi dans une maison moderne. Il aura une maison moderne à Barenté. Avec un espace culturel dehors. Il n'a jamais dormi sur un beau lit. Jenny Solo va dormir sur un beau lit. Avec la bonne mousse. Il sera heureux. Ça, c'est le projet. Et je vous invite à contribuer massivement. 500, 1000 francs, 100 000, 200 000, 11 millions. Tout sera fait avec transparence. J'insiste encore. Parce qu'il y aura un journal. Il y aura un journal sur le quotidien des dépenses. Et des entrées, des sorties. Concernant Jenny Solo. Et tout son argent sera logé dans un compte bancaire. Créer un compte bancaire créé en son nom. Donc sur ce, je vous dis merci et excellent week-end à vous. On reviendra à tout moment pour actualiser l'information. Merci également à tous ceux qui l'ont booké pour des mariages, pour des événements jusqu'ici. Le numéro pour les bookings jusqu'ici et pour plus d'informations par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est le 697 60 31 89. 697 60 31 89. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Merci à tous ceux là qui ont porté le projet. Michel Bachou, ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Franchement, je vous dis humblement merci. Je vous dis humblement merci parce que si je vais mettre le côté pifo ici là, je vais dire beaucoup de choses. Je vais blesser beaucoup de personnes. Allez, bonne semaine à tous. Merci. Voilà, la famille, vous avez bien compris. Moment, quand c'est bien, encourageons. Quand c'est bien, félicitons. Vraiment, Robinson Pifo, chapeau. Mon frère, comment tu peux regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi, like, lâche-moi un commentaire si possible.